Je continue le coaching au CDD. Pas cette semaine, la semaine prochaine. Je fais 5 coachings par semaine maximum. Il doit me rester 3 slots pour la semaine prochaine. Tu peux me DM à chaud. Sur Discord. Avant de partir à la salle. T'inquiète, de toute façon, vu que c'est pour la semaine prochaine, on n'est pas. En même temps, ça se fera commencer la nouvelle saison, donc c'est pas mal. C'est un bon timing. L'ai niqué. Je l'ai explosé. J'ai Q sans Q. Et du coup, il n'avait pas la fureur de redevenir. Objectif. Me concentre sur moi et je ne donne pas de mort inutile. Je ne fais pas de mort inutile. Faut que je reprenne tous les points de rigueur qui m'ont fait monter super au Elo. Merci pour le follow. Il peut me surprendre. Un champion de psychopathe, faut pas que je l'oublie. Moi, son champion de mort est basé sur le flip. Encore plus que Warwick. D'overstay. Trop fort. Salut Gojiwa, salut Saphir, salut Takodil. Salut tout le monde. Je me suis inscrit à la piscine, les refs. C'est fini le cardio normal. Je vais aller faire du cardio à la piscine. J'en ai une toute neuve en face de chez moi. Et comme j'ai pas de clim, dès qu'il fait trop chaud en après, mais que je suis chez moi, je me barre dans l'eau, faire des longueurs. C'est good tier. Quand on a sauté, j'ai des problèmes au genou malheureusement. Je suis un ancien gros donc j'ai des sauts dans un état très très fragile. Ouais, c'est vraiment psycho alors. Il est ridicule. Hein. On est d'accord pour dire qu'il est ridicule. Hein. Ridicule, répugnant. Gênant. Pathétique. La liste est longue. En fait, j'ai vraiment l'impression. Qu'un GM Chal qui joue Kled me le dise, mais là où Warwick est basé sur le bait, donc le bait et le connaissance des limites, Kled c'est juste du flip et on regarde ce qui se passe. Parce que Warwick c'est pas du flip, hein. C'est vraiment pas du flip.
Des dégâts énormes. Double Dorance. C'est un aveu de faiblesse que tu me fais là. Double Doran Blade, j'ai jamais vu ça. Ça sert à rien. Vous payez de l'omnivore que vous n'utilisez pas vu que ça peut pas se stacker. C'est de la merde. Oui. L'auto, j'ai mis des autos très très discrètes qui ont fait que j'avais le kill potentiel dessus. J'ai mis une auto avant d'ulti et une auto avant de Q dans les animations de mes sorts. Du coup, ça fait 200 HP de dégâts que je ne suis pas censé avoir théoriquement. C'est ultra important de faire ça. Cassiopée a envie de créer du contenu. En vrai, donne le kill à Kled. Avis pour les caméras. Tout pour les caméras. C'était moi la star de la game, elle vient de me voler la vedette. Je veux qu'elle donne le kill à Kled, comme ça impacte que ma lane. Et je sais que je peux la tenir ma lane. Ça m'intéresse pas. Et non. Bon, toi t'es vraiment pas nécessaire. De mourir mille fois. Ah, bien joué. Bien joué. Je méritais de mourir là. Je me dégoûte. Bon, je me suis rattrapé. Ça va. Si je me dégoûte mais que je compense en faisant un bon move, ça va. Scanner le GOAT, Scanner et le GOAT, ouais. Laisse-moi back, je t'en supplie, je suis fatigué. Merci. Les mecs, je suis à la Japan Expo hier. Le billet de chez moi, de un seul train, à la Japan, c'est 5 balles aller, 5 balles retour. C'est ultra cher. Pour genre 20 minutes de train. C'est-à-dire n'importe quoi le prix des transports en commun. J'ose même pas demander combien ça coûte un Navigo au mois, genre. Sinon ça va, c'était sympa. En fait, je commençais un peu à me lasser des conventions. 75 balles. 75 balles par mois. T'es obligé de te le faire rembourser quelque part. 85. Fortune de chaîne. Maîtriser, je pense que c'est le meilleur perso de... Un chaîne maîtrisé, ça fait que t'es un très bon top laner parce que y a tout dans chaîne. Y a pas de wave clear, donc faut que t'aies un bon wave management. T'es fort en early, donc faut savoir en abuse. T'es utile pour ta team, tu dois engage, tu dois peel. Le perso est ultra complet. Je suis bon sur chaîne, mais en low master. Pour monter plus haut, je suis pas assez bon.
Sinon, je jouerai que Shen. Oh. Ça n'a aucun sens ce qu'il a essayé de faire. % remboursé par l'employeur. Mais du coup, 50% remboursé, ça veut dire que tu dois payer un an d'abonnement? T'es remboursé chaque mois dans ta paye? Je comprends pas, genre, comment ça remboursé par l'employeur? Chaque mois sur la paye. Mais du coup, toi, tu payes au mois ton abonnement aussi, là. Oh, j'ai trollé, je mérite de mourir. Je me déteste, genre. Pas être aussi nul. J'ai fait n'importe, je donne 1000 gold à Shyvana. Je mérite de perdre. Pourquoi je grid pour rien? En fait, c'est ça qui m'empêche de monter en solo queue. Tu peux pas jouer parfaitement pendant 10 minutes. Je paye 85 et fin du mois, je reçois 42 en plus dans ma paye. Ok. Profondeur, je joue plus profondeur. En fait, moi je fonctionne vraiment, faut que vous compreniez ça. Tous les builds sont viables sur Auric, tous. Je fonctionne vraiment par effet de mode. C'est juste ça. Je vais t'attraper, toi. Il est rapide, hein. Je presse dead pour retourner sur la ligne, je comprends que ce n'est pas le clad qui est marqué, je comprends qu'elle est en train de counter jungle. Et je la punis. Mon coaching va être rentable. En soi. Là j'avais un main Fiora Gold 4 qui vient de monter diamant 4 en un mois. Il était très bon, honnêtement, j'ai pas eu à... Je lui ai juste donné des stratégies pour gagner toutes ces lanes en early, juste en faisant du wave management. Ils ne font pas avant le low master. Il était très bon, très très bon mécaniquement. Oh putain. Mais arrêtez cette arme, sérieux. J'arrive vous chercher. Oh non. Je viens de chercher, t'es caché où? Il a TP. Voilà, l'alpha de la top lane, voilà ce qu'il fait. Oui, ce sont deux amis à moi. Ce sont deux amis à moi dont je kiffe le contenu. Chez Kameto, tu me verras moins souvent. Moi, c'est vraiment Tiki au niveau de créateur de contenu que je kiffe. Ah, ça dépend des arcs. Il y a des jeux comme Rocket League où je comprends rien du tout. Mais c'est avant tout des potes, hein. Ils vont me laisser tranquille au bout d'un moment. Bah voilà, FF.